Hey, this is Stanley, the Falkland Islands Broadcasting Station. Been instructed by the government of the Falkland Islands to call you and ask you to repeat the message. For the purpose of avoiding bloodshed and property damage among the population, we hope that you shall act prudently. Our concern is for the welfare and safety of the people of the Malvinas. This was the message from the Argentine Armed Forces. 2 avril 1982, 4 heures du matin. Les caméramens de la marine argentine filment l'invasion des îles Malouines. Les premiers à toucher terre sont des hommes grenouilles venus d'un sous-marin, suivis du corps expéditionnaire argentin. Pour l'Argentine, c'est un jour historique. En tant qu'Argentin, j'étais très ému. Et aussi en tant que professionnel, bien entendu. Ému en tant qu'Argentin, car j'étais très fier de participer à la récupération des îles Malouines, qui étaient restées si longtemps sous domination britannique. This is the Falkland Islands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Alistair, I understand that you've sighted some of the vehicles, have you? I had a quick look out through the curtains and all I could see was smoke, so I honestly haven't a clue what's happening. But there's been some really heavy bangs, the whole place is shaking. It's a bit nerve-wracking to say the least. There's a lot of machine gun fire and fairly small arms fire as well. And where are you giving this report from, Ali? Are you standing up, sitting down, or what you're doing? I'm lying on the floor, boy. Now, the situation, as you might hear, is that the radio station has now been taken over. We have three Argentine members. We have everything recorded in two tapes. Yes. Okay. For the population. Well, just a minute. Señor, un minuto. If you take the gun out of my back, I'm going to transmit it to you. If you take the gun away. But I'm not speaking with the gun in my back. On était tous extrêmement inquiets. On se demandait ce qui allait nous arriver, si on allait être tués ou emmenés en Argentine. On avait tous entendu parler du régime, du gouvernement militaire argentin et de ce qu'il avait fait à son peuple. On savait qu'il voulait les Malouines. On ne savait pas ce qui nous attendait. À 7 heures du matin, après de violents combats, le siège du gouvernement est complètement encerclé. La grande différence entre nous et la marine britannique, c'est le manque de motivation que personnellement j'ai perçu dans ces actions. Or, la motivation provient avant tout de la cause qu'on défend. Nous, nous défendions ce qui nous appartenait. Eux, en tant que militaires et en tant que professionnels, défendaient ce qu'on leur avait demandé de défendre. En este mapa que vemos acá de la República Argentina, las Malvinas aparecen ubicadas en la zona austral. Toda esa distancia que hay está separada por el mar. Ese mar que es el mar argentino y que está. À l'époque, les Malouines sont une cause nationale en Argentine. Dans les écoles, on parle aux enfants de leurs terres perdues. On leur explique comment les Britanniques leur ont volé ces îles en 1833. Et on leur montre qu'elles font partie du plateau continental argentin. La plataforma continental va a ser la prolongación del continente por debajo del agua. Vu d'Amérique latine, les prétentions britanniques sur les Malouines paraissent absurdes. Une dictature, aussi impopulaire soit-elle, serait acclamée si elle parvenait à les récupérer. À Buenos Aires, la nouvelle du débarquement est accueillie par des foules en délire. La violence du régime militaire, la crise économique, du jour au lendemain, tout est oublié. Le rêve national de réoccuper les Malouines est devenu réalité. Je ne vous cacherai pas que ce fut une immense joie, aussi immense que l'émotion que nous avons ressentie en voyant la place de Mai se remplir
et tout le monde applaudir la décision, toutes tendances politiques confondues. En voyant que même les syndicats qui avaient fait grève quelques jours plus tôt et défilé sur cette même place, applaudissaient et soutenaient la position de l'Argentine. Je ne vous cacherai pas que ce fut l'un des moments les plus émouvants et les plus importants de ma vie. À Londres, on crie au scandale. Comment le gouvernement a-t-il pu permettre l'invasion d'un territoire britannique ? Au Parlement, les séances sont houleuses et rapidement suivies de démissions. And I have been responsible for foreign affairs. And I do not think it is right that when that happens, the minister responsible should just go on as if nothing had happened. And I think that the honourable thing to do is to resign. C'est un coup porté au prestige de la Grande-Bretagne. Le gouvernement fait appel à l'armée. On était tous persuadés que ce serait fini avant qu'on arrive. On imaginait quelques troupes sur une petite île qui détaleraient en voyant arriver la Royal Navy, et on n'en parlerait plus. On se demandait pourquoi on va aller envahir un pays qui doit être au nord de l'Écosse, car personne ne savait où se trouvaient les Malouines, en tout cas pas moi. Pendant des années, j'avais dit que si jamais une guerre se déclarait, je repartirais à la nage à Belfast où je suis né. Pas question de faire la guerre. C'est pas pour ça que je m'étais engagé. Je voulais pas y aller. Et je me suis dit, si, il faut que j'y aille. Les contribuables me paient un salaire depuis des années, et pour une fois, ils m'appellent. Ils nous appellent tous. Lorsque le corps expéditionnaire britannique franchit les tropiques en direction du sud, peu à bord s'imaginent partir faire la guerre. We had to learn Spanish. On devait apprendre l'espagnol. En gros, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est Manos Arriba et Rendase, ce qui veut dire les mains en l'air et rendez-vous. On ne voyait pas l'intérêt d'apprendre des phrases du type « je me rends ». Pendant ce temps, les Malouines se transforment en camp militaire. Des milliers de jeunes appelés arrivent d'Argentine. Quand je suis entré dans la ville pour la première fois, je me suis rendu compte que tout était en anglais. Il n'y avait rien d'argentin. Il y avait juste une citerne de la compagnie pétrolière YPF qui me rappelait mon pays. Il m'est arrivé une anecdote amusante. On a trouvé une petite clé. Dessus, il était marqué « Made in England ». On se disait « Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je ?» On se croyait parti pour défendre les gens de là-bas, en tout cas c'est ce que moi je croyais, et on découvrait des étrangers. C'était à se demander si les envahisseurs étaient ceux qui vivaient là ou ceux qui arrivaient. Malvinas Operation Theater Command, communique number 4, guarantees the continuity of the way of life of the people of the islands, respect for private property, freedom to enter, leave or remain on the islands. Furthermore, the population is exhorted to continue normally with their activities. Je suis très fier de pouvoir dire que durant toute la période que nous avons passée dans les Malouines, et en dépit de l'augmentation du nombre de soldats, qui donnait à Puerto Argentino l'allure d'une petite île au milieu de 10 000 soldats, aucune infraction ni tentative d'infraction n'a été commise.
On a déploré aucune agression physique, seulement quelques cas de violation de domicile. Ces cas ont donné lieu à des conseils de guerre et à des sanctions appropriées d'officiers, de sous-officiers ou de soldats. Les États-Unis n'ont aucune envie d'une guerre entre deux de leurs alliés les plus proches. C'était un conflit en tout point étrange. L'affaire semblait beaucoup moins importante que ne le manifestaient les deux camps. Les îles Malouines ne semblaient pas, en elles-mêmes, objectivement très importantes. Je crois pouvoir dire que c'était la vie de tous. Et pourtant, tout à coup, elles étaient devenues l'objet d'un conflit et d'une tension énorme. Alexander Haig se démène pour trouver une solution négociée. David Gompert a fait partie de sa mission de conciliation. Le souvenir le plus marquant de cette rencontre à Londres, c'est Madame Thatcher. Sa façon de présider le cabinet de guerre et de parler au nom de la Grande-Bretagne dans les négociations. Elle laissait d'autres qu'elle exposer certains aspects dont ils étaient spécialistes, mais dans tous les cas, elle avait le dernier mot. Et parfois, elle passait clairement outre la décision d'un haut responsable de son cabinet. Elle n'a jamais eu le moindre doute. Il est arrivé que certains d'entre nous, à un moment ou à un autre, se disent « Ne devrions-nous pas céder un peu plus ? Cela ne permettrait-il pas d'éviter le problème que nous n'avions pas encore affronté ?» Celui d'un débarquement sur les Malouines. Elle était très déterminée. À Londres, l'ambiance n'était pas vraiment à la négociation. La position britannique était simple. Des troupes étrangères occupent un territoire qui est sous la responsabilité du gouvernement de Sa Majesté. Ce dont il s'agit, c'est du retrait de ces troupes, pas d'une négociation des conditions de ce retrait. Ce sont à peu près les seuls encouragements que nous avons reçus de Londres. À bord des vaisseaux britanniques, l'ambiance change à mesure qu'ils progressent sur les eaux tumultueuses de l'Atlantique Sud. Plus ils se rapprochent des Malouines, plus la préparation militaire s'intensifie. J'étais convaincu qu'on allait se battre. J'ai beaucoup trop d'imagination pour jouer les va-t-en-guerre ou les casse-cou. Et mon commandant de compagnie, John Kisley, pensait la même chose. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue en regardant une photo qu'on venait de prendre de toute la compagnie. Il m'a dit, c'est triste, mais si on prend la même photo à notre retour, certains de ces visages ne seront plus là. À Buenos Aires, la mission de conciliation rencontre un accueil très mitigé. It is clear tonight that the task will not be easy. But the stakes are so great that they demand the ultimate effort on the part of all participants in these discussions. Thank you. Dans la rue, c'est l'euphorie. La junte au pouvoir s'engage à ne jamais rendre les Malouines. L'Argentine ne renoncera jamais à ses droits naturels sur ce territoire. Il y avait dans leur attitude une espèce de légèreté, comme s'ils n'étaient pas vraiment sérieux, comme s'ils n'avaient pas pris la mesure de ce qu'était une guerre. Ils n'avaient pas conscience de la tragédie que constitue une guerre et la perte de vies humaines. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient être vaincus. Comme je n'ai pas manqué de leur souligner, ils étaient certains de perdre. Ils n'avaient aucune expérience de la guerre et ils allaient combattre l'une des premières grandes puissances mondiales.
Ils ne parvenaient même pas à aborder le problème sérieusement. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il était évident à ce stade qu'ils avaient décidé de faire la guerre seulement parce qu'ils étaient incapables de prendre, ensemble, la décision de ne pas faire la guerre. C'est notre incapacité à parvenir à un accord, à trouver un terrain d'entente à Buenos Aires, qui a levé le dernier obstacle et permis aux deux armées de se déclarer la guerre et à la tuerie de commencer. Nous sommes le 1er mai. La Grande-Bretagne lance une attaque aérienne contre les positions de l'Argentine autour de Port Stanley. We were probably far more overconfident than we should have been. On était sans doute beaucoup trop confiants. Le sentiment général se résumait à « donnons une bonne raclée aux Argentins » et très vite, ils se raviseront et diront « c'est bon, on s'arrête là ». Et ça sera fini. Mais l'Argentine n'est pas sans moyens face à la task force britannique. Elle a aussi une marine puissante, déterminée à débusquer la flotte britannique pour la détruire. Elle a acquis de nouveaux navires de guerre équipés de missiles modernes. Mais sa plus grande fierté est le croiseur USS Phoenix, datant de la Seconde Guerre mondiale et rebaptisé du nom de l'un des plus grands héros argentins, le général Belgrano. Le sous-marin nucléaire Conqueror patrouille l'Atlantique Sud depuis 15 jours et suit le Belgrano depuis deux jours. Le 2 mai, à 16h, sur ordre direct de Londres, le sous-marin britannique lance trois torpilles sur le croiseur. Deux touchent leur cible. C'est la première explosion qui a provoqué le plus de morts dans le vaisseau. On estime à environ 275 le nombre de victimes de l'explosion elle-même, de l'onde de chaleur et de l'inondation progressive de tous les compartiments. Quatre secondes après le premier impact est survenu le deuxième, à 15 mètres de la proue, de telle manière que l'avant du navire sur 15 mètres a disparu dans la mer. J'ai pris la décision d'ordonner l'abandon du navire. Pour le commandant d'un navire, c'est la décision la plus importante et la plus tragique de toute sa carrière. On se sent impuissant car on sait qu'il y a encore des hommes en bas, mais qu'on ne peut pas les sortir de là. Même si on n'y est pour rien, on se sent impuissant. Il fallait déjà s'occuper du pont et des brûlés qui s'y trouvaient pour essayer de les transporter dans les canaux. On sait qu'on perd beaucoup de camarades qui sont en bas, qui savent qu'on est sur le pont et attendent qu'on vienne les sauver. On est triste de ne pas pouvoir le faire. Vous saviez qu'en bas, il y avait vos collègues ? Oui.
Vos amis ? Certains l'étaient, oui. Et vous ne pouviez vraiment rien faire ? Rien. Les canots de sauvetage du Belgrano partent à la dérive à des températures inférieures à zéro, poussés vers l'océan Antarctique par des vents violents. Certains sont retrouvés deux jours plus tard par le navire hôpital Bahia Paraíso. Beaucoup de marins du Belgrano meurent de froid, gelés dans leurs embarcations. Commander speaking. Today we've had a large measure of success. The Belgrado, the Argentinian cruiser, has been torpedoed to the south of the Falkland Islands by one of our SSNs. Mais l'euphorie du côté britannique ne va pas durer longtemps. Les pilotes de la marine argentine ont bien l'intention de riposter. Il décolle du sud de l'Argentine, équipé de missiles Exocet, bien décidé à se venger. Le destroyer Sheffield est loin devant la flotte britannique à la recherche de navires ennemis. Blind AWOL, one purple target, 010010. Go fast, direct the radar. On observait la mer qui était très calme et j'ai cru apercevoir quelque chose qui ressemblait à une torpille venant vers nous car je voyais l'eau frémir et scintiller. J'ai dit, je crois que c'est une torpille. Le pilote a dirigé ses jumelles sur le même endroit et a répondu, non, c'est un exocet. Les officiers de quart et les autres membres de l'équipage de pont se sont mis à couvert. Mais je me souviens que moi-même et le second officier de quart sommes restés fascinés par l'arrivée du missile. J'ai du mal à y croire quand j'y repense. Mais on l'a regardé pratiquement jusqu'au moment de l'impact, avant de nous blottir par terre. San Carlos, le lieu choisi pour le débarquement britannique. Les forces spéciales de la marine britannique observent la zone en secret depuis des semaines. À leur grand étonnement, elle est très faiblement défendue. Il y avait beaucoup d'endroits qu'on ne pouvait pas défendre. L'objectif principal était Puerto Argentino. C'est là que nos moyens étaient concentrés en raison de nos problèmes de logistique et de mobilité. Les Argentins étaient entraînés, ou en tout cas influencés, par les Américains. Et ils pensaient que nous l'étions aussi. S'ils avaient été à notre place, ils auraient débarqué à Stanley. Et ils sont partis du principe que, comme nous étions influencés par les Américains, nous débarquerions là aussi. Nous n'avons pas fait ce choix, ne serait-ce que parce qu'il aurait provoqué des ravages absolument impardonnables parmi la population civile. Or, ça ne correspond pas à la méthode britannique. Nous sommes partisans d'une approche plus subtile. Je suis monté à mon poste d'observation. La brume avait commencé à se lever et je voyais non seulement la frégate qu'on m'avait décrite, mais aussi plusieurs gros navires, d'autres frégates et des dizaines d'hélicoptères qui se dirigeaient vers l'île. C'était très impressionnant. D'abord parce que je dois avouer que je n'avais jamais vu une flotte d'une telle ampleur, encore moins dans une opération de débarquement, et encore moins dans un débarquement de 5000 hommes contre 1040. Le débarquement lui-même était un peu comique, dans le sens où on s'était tous préparés à une guerre, mais où on ne rencontrait aucune opposition.
On voyait 500 ou 600 parachutistes descendre en hurlant d'un navire de débarquement sur une plage. Ils n'avaient jamais fait ça auparavant, et ils étaient tellement habitués aux parachutes dans les combats ou à l'entraînement que ça a été un peu la cohue le temps que les compagnies se regroupent et retrouvent leur mission. Si le débarquement avait rencontré une opposition, je crois qu'on aurait eu des sacrés problèmes au début. Durant le débarquement de ses troupes, le général de brigade, Julian Thompson, craint une attaque aérienne sur les navires ancrés à San Carlos. Il tente de prévenir Londres sans succès. J'avais pleinement conscience d'être responsable de la vie d'un très grand nombre d'hommes. J'ai envoyé une lettre dans laquelle je disais « Nous effectuerons bien entendu le débarquement puisque c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Mais sachez que si l'ennemi parvient à nous attaquer par voie aérienne, les pertes seront extrêmement lourdes. » Un homme politique ne doit jamais montrer aux conseillers militaires qu'il craint des pertes trop importantes. Car en faisant cela, il incite à la prudence toute la chaîne de commandement au moment où celle-ci n'est pas forcément de mise. Quand on pilote un chasseur à réaction, ou on est bon, ou on est mort. Et ça vaut pour tous les pays. Il faut d'excellentes réactions et il faut être bon. Or, les Argentins, ce sont des pilotes de course, des joueurs de polo. Ils sont parfaits pour piloter un chasseur. Le radioaltimètre indiquait 30 pieds. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu l'alarme du radioaltimètre, ce qui voulait dire que j'étais en dessous de l'altitude de sécurité. Tout ça à 450 nœuds. C'est un peu particulier. C'est là qu'on a vu la frégate. Et on a commencé à se déployer pour l'attaquer. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient attaquer un navire. Ils se sont alignés les uns derrière les autres et ont fondu sur nous dans l'axe de la poupe. Le capitaine a donné l'ordre de passer à la vitesse maximale. On a essayé de mettre un 20 mm en position de tir, mais le capitaine avait beau manœuvrer, il y avait toujours un avion aligné sur la poupe, prêt à nous fondre dessus. Le navire réagissait bien. Il était passé à la vitesse maximale, et je voyais qu'il cherchait à rejoindre les eaux ouvertes au milieu du canal. Au moment où je l'ai survolé et où je m'apprêtais à appuyer sur le bouton, il a viré brusquement à bâbord. Et c'est là que j'ai largué mes bombes, puis que j'ai dégagé. Le commandant du navire m'a donné l'impression de connaître son travail. Après mon dégagement, j'ai entendu mon équipier me dire « bien joué », ce qui voulait dire que certaines de mes bombes avaient atteint leur but. Mon pilote, Mike Crabtree, est devenu très silencieux lorsqu'on a survolé la colline et qu'on a traversé le nuage de fumée. À l'arrière, on ne voyait pas ce qui se passait. On sentait juste une odeur de fumée. Et puis on a soudain vu le spectacle sur bâbord. Et je n'oublierai jamais cette vision. Le navire était en proie aux flammes de l'enfer. Il avait jeté l'ancre, le canon pointé vers le ciel, sans puissance hydraulique,
Le pont d'envol était pulvérisé et comme ouvert avec un ouvre-boîte. Je leur ai donné l'ordre d'abandonner le navire, puis je suis resté seul sur le pont. Presque tous mes hommes avaient évacué. Yarmouth avait arrimé sa poupe à notre proue quand nous étions en train de couler. J'ai fini par quitter le pont pour rejoindre l'autre navire. C'était très triste. Je sais que quand on s'est éloigné, beaucoup dans l'équipage pleuraient. Et vous ? Moi aussi. Chez les pilotes argentins, les pertes sont lourdes. Peu sortent vivants des avions abattus. Mais malgré la destruction de nombreux chasseurs argentins, la Task Force n'est pas à l'abri d'autres attaques aériennes. Le 25 mai, l'Atlantic Conveyor est frappé par un missile Exocet. Les forces britanniques, qui prennent position à San Carlos, sont retardées par la perte du matériel que transportait l'Atlantic Conveyor. Mais Julian Thompson subit les pressions de Londres, qui veut poursuivre la guerre. À ce moment-là, il était clair qu'en Angleterre, il y avait un besoin politique de victoire. On voulait nous voir agir, nous voir gagner. Nous étions beaucoup à craindre au début qu'avec une tête de pont à San Carlos, nos troupes restent bloquées là, sans réussir à en sortir. Car tout le monde se souvient du temps qu'il nous a fallu pour sortir de la tête de pont en Normandie. À l'échelle des Malouines, c'était une petite zone. Mais si on était resté immobilisé dans cette toute petite zone, on aurait eu beaucoup de problèmes, sur tous les plans, et notamment sur le front diplomatique. Car si on ne bougeait pas, les demandes de cesser le feu allaient se faire plus pressantes, et de cesser le feu assorties de conditions qui ne nous auraient pas été favorables. C'était donc très risqué. C'est pourquoi il fallait absolument sortir de là. Si on veut bien, ou en tout cas si on n'est pas contre l'idée de mourir pour sa reine et pour son pays, on n'a pas la moindre envie de le faire pour des hommes politiques. J'étais souvent convoqué au radiotéléphone pour m'entretenir avec le commandement supérieur à Northwood. Et je me souviens notamment, après une conversation téléphonique particulièrement irritante, être sorti de la tente en me disant, passablement énervé, « Je gagne la guerre pour ces connards et après, je m'en vais. » Sur ordre direct de Londres, le 2e bataillon de parachutistes lance une attaque sur une place forte ennemie à Goose Green. Il fait noir. Il y a un bruit assourdissant. Une pluie de projectiles qui s'abat sur vous. Des grenades au phosphore qui explosent pour faire de la fumée et projeter une lumière aveuglante. Des balles traçantes qui viennent vers vous et partent de vous. Il y a la peur qui vous tenaille. Vous approchez des tranchées. Vous lancez des grenades. Vous tirez. Vous frappez à la baïonnette. C'est un combat sauvage, barbare. Vous n'avez jamais rien vécu de semblable. C'est de la tuerie. Lieutenant Barry. Thank you.
À côté de l'enclos où étaient enfermés les prisonniers de guerre, il y avait un stock de munitions qu'il fallait déplacer. Or, on le soupçonnait d'être piégé. On a demandé aux officiers argentins de déplacer les munitions pour leur sécurité. Ils ont désigné des officiers et des soldats pour les déplacer. C'était des obus et des mortiers. Ils se sont mis au travail. Et on a soudain entendu une explosion. Le stock était piégé. Le soldat le plus près de la mine s'est retrouvé prisonnier des flammes et des explosifs. La seule chose qu'on pouvait faire pour lui, comme on ne pouvait pas l'approcher, c'était l'abattre. Pour le sortir de cet enfer, parce qu'il n'y avait rien humainement qu'on puisse faire pour lui. Je me suis dit, j'ai de la chance. Il régnait un silence de mort, une obscurité totale, un froid glacial. Puis les idées ont commencé à se bousculer dans ma tête. J'ai senti les larmes couler en repensant aux gars qui étaient morts ce jour-là et à ceux plus nombreux qui mourraient le lendemain. J'avais une boule dans la gorge. Je suis resté allongé pendant au moins 2 heures à repasser mentalement les événements de la journée. Des renforts arrivent à San Carlos en prévision de l'offensive sur Port Stanley. Pour lui éviter une longue marche, on embarque le détachement gallois sur le navire Sir Galahad, qui appareil pour un endroit baptisé Bluff Cove. Mais en raison du mauvais temps, le Sir Galahad est dérouté vers une petite crique appelée Fitzroy. Le major Ewan Sosby Taylor est horrifié de voir arriver le navire. En plein jour, rempli de soldats, c'est une proie idéale pour une attaque aérienne ennemie. Le major demande son évacuation immédiate. Sur la terre ferme, à moins de 200 mètres du navire, les soldats seront en sécurité. J'ai expliqué à l'officier supérieur que j'ai réussi à contacter sur le Galahad que mon avis professionnel et réfléchi, donné en qualité d'officier de débarquement ayant consacré presque toute sa carrière aux combats amphibies, était qu'il fallait les débarquer, puis attendre. Il soutenait que sa destination était Bluff Cove et non Fitzroy. Je lui soutenais tout aussi catégoriquement qu'il était hors de question que je les emmène à Bluff Cove en plein jour. L'attaque de l'un de mes bateaux, qui a été coulé quelques heures plus tard, m'a malheureusement donné raison. Je lui ai fait valoir que la rive n'était qu'à 180 mètres et qu'il faudrait environ 20 minutes pour débarquer tous ses soldats. Il a répondu qu'il ne voulait pas placer ses hommes près du stock de munitions que nous avions récupéré du Sir Tristan. Mais nous avions nos embarcations à proximité pour les en éloigner. Je lui ai expliqué qu'on était en guerre, qu'on ne pouvait observer les mêmes principes qu'en temps de paix et que ces hommes étaient en très grand danger. Je crois que c'est l'argument que j'ai employé le plus souvent. Finalement, dans un accès de colère, je lui ai dit qu'il se conduisait de façon totalement irresponsable et que je refusais toute responsabilité dans ce qui arriverait à ces hommes. Et malheureusement, la suite a prouvé, 3 ou 4 heures plus tard, que j'avais raison. On voyait des corps crier, hurler, le navire n'était plus qu'une énorme boule de feu. Les flammes n'avaient nulle part où s'échapper. Elles sont revenues vers moi et ont gagné mon dos, mes jambes. Et c'est là que j'ai pris feu. J'ai essayé de sortir, mais je suis tombé. C'est comme ça que mes mains ont pris feu. Thank you.
Le pont était rouge vif, comme du fer chauffé par un forgeron. J'avais l'impression de voir double. Il y avait ma main et des lambeaux de peau. La peau de ma main s'était détachée et pendait au bout. On aurait dit un gant qui pendait à chaque main. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Pas longtemps, en tout cas. Tout ce que j'avais, c'était une sensation de brûlure dans le bas de la jambe gauche. Ça ne m'a pas inquiété. J'ai tout de suite voulu me relever. Je me souviens d'avoir regardé ma main parce que c'était ça qui m'inquiétait le plus. Elle était en train de fondre. Mais quand je me suis relevé, ma jambe n'était plus là. Il n'en restait que des lambeaux. En regardant autour de moi, j'ai vu d'autres blessés, sans doute des copains, mais il n'y avait pas moyen de les reconnaître. Ils avaient le visage noir et les cheveux brûlés. La peau était toute noire. Elle commençait à former des bulles et des espèces de croûtes. Et il y avait une odeur horrible. Tous les brûlés sont soignés au même endroit, dans le mess des officiers du navire Ouganda, transformé en salle de soins. On sentait une affreuse odeur de brûlé. À côté du mess, il y avait une petite coquerie. On aurait cru que quelqu'un y avait brûlé des toasts. On ouvre la porte et on se retrouve face à 40 lits et 40 visages noirs. On a un sentiment d'horreur, j'imagine. Et on n'a qu'une envie, c'est de refermer la porte et de s'enfuir en courant. Puis on se dit, il faut absolument que je cache l'horreur qui se lit sur mon visage. On entre, on essaie de sourire et de se mettre au travail. Ils n'avaient presque plus de cheveux et plus de cils ni de sourcils. Leurs mains, à ce moment-là, avaient été placées dans des sacs de flamazine. Ce sont des sacs remplis d'une pommade spéciale qu'on utilise pour les brûlures très graves. Je n'avais qu'une envie, retourner dans ma chambre et pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais énormément de peine pour tous ces gens. J'aurais pu débarquer ces hommes en 20 minutes, ça ne fait aucun doute. Et il suffisait d'avoir un soupçon de professionnalisme pour décider de suivre les conseils du spécialiste sur place, quel que soit son grade. Mais malheureusement, je n'avais pas le grade de lieutenant-colonel, le seul qu'il était disposé à écouter, semble-t-il. Je crois que dans toute ma carrière, je n'ai jamais été aussi furieux, même si je n'étais pas directement concerné. C'est en tout cas la seule fois de ma carrière où je me suis senti presque honteux d'être associé à une opération qui tournait mal. Et même si je me reproche en partie de n'avoir pas insisté plus vigoureusement encore pour qu'ils soient débarqués, je ne me sens pas responsable de la mort de ces hommes. Et ça me travaille encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Cent kilomètres séparent San Carlos de Port Stanley. 100 kilomètres que les troupes britanniques doivent parcourir à pied.
Une marche dans des conditions extrêmement difficiles, à des températures inférieures à zéro, dans la neige ou sous une pluie battante. Tandis que les troupes britanniques approchent, les conscrits argentins, eux, attendent. Retranchés dans les montagnes autour de Port Stanley, ils se préparent pour les derniers affrontements. Dans les derniers jours, on se disait combien d'entre nous vont mourir ? 5, 10, 20 ? C'est désespérant de ne pouvoir rien faire, d'attendre la mort, de savoir qu'on va mourir. On se met à repenser à tout ce qu'on a fait dans la vie. Mais à 19 ans, qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire ? Du côté britannique, l'attente est tout aussi angoissante. Les troupes bivouaquent en attendant l'ordre d'attaquer. Il ne se passait rien. On sentait une sorte de tension électrique. On avançait en formation espacée, mais toujours rien. On attendait. Au bout d'un moment, on a commencé à se sentir presque soulagé. On se disait, ils se sont tirés, ils ne sont plus là. Au moment où on commençait à se dire ça, d'un seul coup, l'horizon s'est littéralement illuminé dans une explosion d'éclairs blancs. Cette première attaque a été assez incroyable. C'était comme être planté devant une mitrailleuse. Il y avait un vacarme incroyable. Pendant une minute ou deux, on a été un peu abasourdi. On avait vraiment l'impression que si on levait une main, même de quelques centimètres, elle serait fauchée. Les troupes britanniques poursuivent leur progression vers Stanley, laissant derrière elles un champ de bataille jonché de cadavres argentins, que certains ont la tâche affreuse d'enterrer. Le premier que j'ai vu avait toute cette partie du visage arrachée. Il avait des blessures sur le torse. J'ai pris ses plaques d'identification. En le faisant, je n'arrêtais pas de parler. Je disais, bon, je vais détacher ses plaques d'immatriculation. Voilà, c'est fait. Pas parce que je voulais en informer les autres, évidemment, mais parce que j'essayais de m'empêcher de penser à cet homme. On retrouvait leur portefeuille avec la photo de leur femme et de leurs enfants. Je les regardais en me disant, ça aurait pu être moi. Tous les corps qu'on a vus étaient complètement tordus. On voyait le supplice qu'ils avaient traversé au moment de mourir. Leurs jambes étaient toutes tordues, leurs bras. Puis on a trouvé un officier argentin blessé à l'estomac. Je ne sais plus qui l'a trouvé. Les gars m'ont appelé, viens par ici, Lou, regarde ce type. Je suis allé voir. Il s'est mis à me parler en anglais. Il m'a dit qu'il ne savait pas non plus pourquoi on se battait. J'ai de la peine en pensant à ces corps. À l'état dans lequel ils étaient. Et à la façon qu'on a eu de les jeter dans un trou. Um,
C'était des enfants. Celui qui était blessé... J'aurais préféré qu'il ne parle pas anglais. Il est mort. On peut s'arrêter un instant. Il m'a fallu 4 ans pour arriver à pleurer. Parce qu'évidemment, on ne peut pas pleurer sur le coup. On a un boulot à faire et on le fait. Je continue à me dire, en ce moment même, je me demande pourquoi je pleure. Je crois que j'arrive pas à les considérer comme des ennemis. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus de quoi faire face. Il ne restait de notre artillerie que 10 à 12 pièces utiles tout au plus. On ne pouvait pas compter sur un soutien aérien direct pour les remplacer. Les Anglais maintenaient leur flotte pour renforcer leur offensive. Nos unités étaient très fatiguées. Elles avaient perdu l'essentiel de leur équipement. La poursuite des combats n'aurait eu pour conséquence que la perte inutile d'autres vies humaines. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et après plusieurs entretiens avec mes supérieurs, j'ai décidé d'accepter le cessez-le-feu proposé par les Anglais, ce qui a ensuite donné lieu aux discussions nécessaires. Quand j'ai découvert Stanley au détour d'une rue, je me suis dit, putain, est-ce que ça valait vraiment tout ça? Ça sentait mauvais, c'était sale. Ça ne correspondait pas à l'idée que je m'étais faite de Stanley. La ville était dans un désordre indescriptible. Il y avait des armes et des munitions qui traînaient, un cadavre ici, un cadavre là. On voyait une croix rouge sur presque tous les bâtiments et il y avait cette odeur, si reconnaissable, de mort. On s'est installé à l'étage d'une petite maison qu'on a réquisitionnée et qu'on partageait avec l'une des compagnies du 2e régiment de parachutistes. Cette nuit-là, on a écouté sur l'une de nos radios le BBC World Service. Et on a appris de la BBC, qui se trouvait à 13 000 km, que l'Argentine capitulait, à 700 mètres de là où nous étions.
On s'est tous sentis extrêmement soulagés. Je me suis surtout dit que plus aucun jeune homme n'allait devoir mourir. Ça n'avait rien à voir avec une victoire au football. C'était juste un immense soulagement. C'était fini et on allait rentrer chez nous. On est arrivé tôt le matin. Il y avait des petites embarcations partout, remplies de gens venus nous accueillir. C'était génial. On se disait qu'on n'avait pas fait ça pour rien. Même si en apparence il y avait une fête extraordinaire, le retour a été, pour beaucoup d'entre nous, une expérience assez mitigée. D'une certaine manière, on n'avait pas envie de quitter l'environnement dans lequel on avait passé tant de temps, au milieu de nos compagnons, de nos amis, de nos connaissances, pour un monde plein de gens qui ne savaient pas ce qu'on avait traversé. Enclin peut-être à mal interpréter les événements ou à se réjouir de la victoire pour de mauvaises raisons. J'éprouvais même une certaine réticence à descendre la passerelle du navire au milieu de toute cette agitation. Il n'y a pas de bon moment. Ce n'est qu'une grande tragédie. La guerre est une entreprise chaotique, sale et pitoyable. On ne devrait jamais se laisser entraîner à l'affaire. We the British people are proud of what has been done. Proud of these heroic pages in our island story. Proud to be here today to salute the task force. Proud to be British. Qui fut Deng Xiaoping? La semaine prochaine, brossons le portrait de celui qui a mené son pays du marxisme inflexible au capitalisme le plus débridé.